Hello, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette petite vidéo pour les différents types d'élèves en classe. Et oui, parce que j'adore ce type de vidéo et je m'en lasse jamais, 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 jamais. J'adore voir les gens se mettre en scène et j'aimerais aussi des fois vous faire des situations comme ça où je me mets en scène. Donc si ça vous plaît, dites-le-moi dans les commentaires et laissez un gros pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Je vous attends. C'est bon, vous êtes abonné, donc je peux dire qu'on peut commencer la vidéo. La cloche de notification, un petit commentaire, un pouce bleu. Au moins, je verrai si ça vous plaît et du coup, je pourrais vous en faire. Bon, du coup, je tenais juste à vous dire une information avant. Ce week-end, je vais donc au Futuroscope. Donc, pas tout week-end, juste samedi, je vais au Futuroscope. Donc, du coup, eh bien, je vous posterai demain des vidéos sur ma journée au Futuroscope. Comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, comment on y va et tout, à quelle heure. Donc voilà, restez donc demain, attendez ma vidéo. De toute façon, si vous vous abonnez et que vous activez la cloche de notification, vous l'aurez ma vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et vous l'aurez. Donc, et n'oubliez pas la cloche. C'est très important. Donc voilà. C'est parti pour les différents types d'élèves. Et une autre information, je filme avec mon nouveau téléphone, qui est un Samsung Galaxy J5. Donc voilà, si vous voulez, je vous mets ce que c'est donc en barre d'infos. Donc je vous mettrai le marque, donc le modèle et la couleur parce qu'il a une couleur assez spéciale. Donc voilà, donc vous pourrez aller voir sur internet comment il est. Et je reçois ma coque normalement la semaine prochaine que je vous montrerai aussi. Voilà, bisous. Et n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap, donc je vous mets mon identifiant en barre d'infos. Bisous, cette fois-ci je commence vraiment. L'élève qui a jamais rien en cours. Ouais. Raboule une feuille, s'il te plaît. Mais non, non, j'en ai pas. T'en as pas? Merde. Sabrina! Sabrina! Ah, merci. T'as une feuille? Ah, merci, t'assures. T'as un crayon? Attends, t'as une feuille? Oui. Ah, merci. Passe là, passe là. Merci. T'as un crayon? Non, t'as pas de crayon? Ah. Ludovic! Merci. T'as un crayon? T'as un crayon? Ah merci, t'assures. Un feutre? T'es sérieux? T'as pas un bic? T'es pas à la mode? Reprends-le, ton feutre dans la merde. Débile, ces mecs. Jean-Claude! Moi, j'avais pas le con de t'appeler comme ça. Bon, Jean, raboule une gomme. Et un critérium, s'il te plaît. T'as pas de gomme? Bah, passe un critérium, on s'en fout avec une gomme. Merci. Je suis pas douée. Merci. Non, non, rien, monsieur. Je demandais juste un crayon. L'élève qui a de la chance. Samantha. Hein? Combien font 2 plus 2? Ça fait 4. Merci, mais je suis pas nulle en vrai. Non, non, 4, 2 plus 2, même genre un CPI, c'est quoi. Enfin, je sais pas, mais... Et donc, vous pouvez me rester le théorème de Pythagore? Les théorèmes de Pythagore. Alors, c'est une grande histoire, donc je sais pas si je vais pouvoir vous la raconter. Parce que, comme c'est hyper long à dire, je pense qu'il vaudrait mieux que vous l'expliquiez pour les gens qui n'ont pas compris, quoi. Enfin, je dis ça, je dis rien, c'est pas mon métier d'être prof, hein, mais bon. Pour moi, ce serait ça en vrai. Comme on les appelle toutes et tous, la pétasse du collège ou du lycée. Amy. Ouais, t'as vu ma tenue? Bon, bref, à part ça, merci, t'es gentil. Non, mais en fait, ça va, hein, tu sais, t'as beau me dire, ouais, aussi regarde la mienne, mais en fait, t'es moche comme un cul, alors laisse tomber. Bah oui, c'est ballot, hein. Bah oui, enfin, tu dois. Par contre, tu peux quand même me filer un crayon? Ouais. Bah oui. Ouais, parce que celui-là, il a plus de mine, donc ça sert un peu à rien. Merci. Bah oui, on est obligé de me le donner. Qu'est-ce que tu veux? Par contre, ouais, je te le rends pas en fait, parce que. En plus, c'est un noir, ça tombe bien, j'en ai plus dans ma trousse. Merci beaucoup, Amy. La fille en panne de stylo. Allez, c'est parti. Mais c'est une blague, ça écrit pas. Putain. J'en ai pas un autre. Ah, si, un noir. Mais c'est une blague, ça écrit pas non plus. Mais
Putain, mais je suis aveugle. J'en ai pas encore un autre. Ah si, j'ai un bleu là encore. C'est quoi ce stylo? Je sais pas. C'est une blague, ça écrit pas. Mais putain. J'ai un autre crayon encore. Ah oui, j'ai encore un bleu. Attends, j'ai une réserve de bleu. Non mais c'est une blague. Putain, mon feutre il marche pas au pire. Non, non plus. Ah, mon crayon rouge. Putain, mais j'ai aucun stylo qui marche. Bah, go écrire en fluo, hein. Mais non, ça va pas marcher. Ça va pas marcher en fluo, ça va faire moche. Bon, je vais écrire au crayon de bois. Il a plus de mine. Et j'ai pas mon crayon. Oh! Budo, c'est la crayon, s'il te plaît. Non, il marche pas. Passe, passe, passe. Merci. Ludo, ton crayon marche pas. C'est une blague là. Tiens, reprends ça. La fille qui écoute rien. Ouais, mais non, mais attends, je t'ai pas dit la dernière fois. En fait, tu vois, avec du coup, avec Ludo. Oui, bah la dernière fois, on s'est vu. Et du coup, bah maintenant, on s'en va ensemble et tout. Mais le mec, il me sort 2 jours après. Faudrait qu'on se voit un peu moins parce que je trouve qu'on se voit trop et tout. Non, mais ouais, il s'est cru autre lui. Psst. Mais non. Hein? Qu'est-ce que t'as, Patricia? Ah, oui, monsieur, oui. Non, mais en fait, là, vous comprenez pas. Là, on est en mode confession intime. Donc, en fait, si vous pouviez arrêter de nous faire chier, bah, ce serait bien. Non, parce qu'en fait, là, le thé, les gâteaux, mais y a pas de souci. Amenez, monsieur. Putain, mais faut vous demander quoi pour vous amener? Faut vous prescrire un mot, là, sur la table? Vous êtes cru où? Ça m'énerve, des gens comme ça. Tu peux pas t'imaginer à quel point ils sont cons, ces mecs. Putain, et c'est eux qui nous étudient les valeurs de la France. Enfin, peut-être pas les valeurs de la France, mais qui nous étudient les principes, les théorèmes de Pythagore à la con. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape? Excuse-moi, mais qui a besoin du théorème de Pythagore dans sa life, meuf? Personne, personne. Et tu crois que toi, t'en as besoin? Non, non, casse-toi. Allez, merci. Je te rencontrerai Ludo et moi plus tard. La fille, trop, mais trop bien organisée, qui des fois est très lourde. Bon, alors, c'est simple. Regarde, le manuel d'SVT. Tu l'amènes en semaine A et moi, je l'amène en semaine B. Mais en semaine C, on demande à Victorine de l'amener. Est-ce que vous avez compris, les filles? Ben pourquoi vous dormez? Bon, on se réveille. Pareil, pour les stylos, chacun amène le sien, mais pour les stylos rouges, on en amène 2 sur 3. C'est-à-dire qu'en semaine A, c'est vous. En semaine B, c'est nous. Et en semaine C, c'est nous. Au moins, plus d'économies de stylo, plus d'économies d'encre et moins d'argent dépensé. Et oui, je suis trop bien organisée. Mais bon, par contre, pour les cahiers, hein, pas de prêt. Et pour les règles, pas de prêt non plus. Hein. Chacun amène la sienne, sinon tout le monde se démerde. La meuf douée en dessin. Hein, ça? Oh non, c'est rien. Non, non, ça, je te le fais en 2 minutes. Bah non, non. Bon, non, je trouve pas que ce soit grand chose. Bah, tu veux que je te le passe, moi, tu peux le recopier chez toi? Bah, tiens, pas de soucis, tiens. Bah, je vais prendre mon cahier, je vais dessiner sur mon cahier. Oh, moi, j'ai plus trop place dans mon cahier. Victorine, tu me passes ton cahier? Merci. Non, puis au pire, attends, je vais faire sur celui d'Emmy. Donne, attends, je vais te rajouter un truc là sur la feuille. La meuf qui se croit douée en dessin. Non, mais attends, attends. Je vais te faire le dessin du siècle. Tu sais même pas où je l'ai appris, je pourrais même pas te le dire parce que, en fait, bah, c'est un truc hyper dur à faire. Je sais même pas si tu pourrais le reproduire. Okay. Attends, je vais prendre dans mon agenda parce que c'est un peu plus simple à faire sur quelque chose de compact. Tu vas voir, c'est canon, mais comme pas possible. Alors, attends, je prends une feuille. Le mois de juillet, on s'en fout. Regarde-moi ça. Non, mais attends, attends, là, j'ai pas fini. Là, je dessine la fin. Je dessine bien, hein, regarde. Attends, je te montre après, hein. Mais non, regarde, là. Mais je te jure, c'est grave beau. Victorine, là, la maison, elle fume. Et du coup, lui, il est mort intoxiqué. C'est super clair. Et pour finir, la meuf qui est toujours à rigoler avec ses amis et toujours en panne de colle. Moi, quoi, totalement. Non, mais attends. Mais t'es sérieuse? Merci. Ah, putain, faut coller.
Un an et demi, t'as de la colle. Oh non, s'il te plaît, j'ai pas de colle. T'as pas de colle? C'est une blague. Victorine, t'as de la colle? T'as pas de colle non plus? Mais putain, t'as la déche pour tout le monde? Mais non, 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 j'en ai pas, sinon je vous en aurais pas. Oh putain. Ludo, t'as de la colle. Ludo, t'as de la colle. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, comme je vous l'ai dit, pouce bleu, commentaire, abonnez-vous, la cloche des notifs et dites-moi dans les commentaires si surtout cette vidéo vous aura plu et que vous en voudriez d'autres. Par contre là, pour ma part, je vais vraiment me mettre à mes devoirs parce que j'ai des devoirs à faire, j'ai une étude de doc et des devoirs en SVT et je les ai pas faits. Et je dois commencer à lire mon livre. Mais bon, c'est la vie, c'est les aléas de la vie et franchement, on aimerait des fois pas avoir de devoirs et que nos seuls devoirs soient vous, YouTube, parce que franchement, vous êtes des gens super importants pour moi. Et merci à vous de me suivre. Voilà. Bisous.